épargne, ça veut dire... bon, nous sommes des jeunes, on ne connaît pas ce qu'on appelle épargne. Ce que l'on sait là, c'est le PA. Voilà, c'est contrôlé par les deux petits papillons, les aquas, les requins. On est dedans. C'est-à-dire que quand tu reçois ton argent, tu te dis bon, ma première dépense, tu dois épargner. L'argent ne fait pas le bonheur et pourtant il est au cœur de nos préoccupations. Bonjour les amis et bienvenue dans Droit de Parole, l'émission qui vous donne l'opportunité de pouvoir donner vos avis sur des sujets de société. Alors aujourd'hui, on va parler d'argent et plus particulièrement d'épargne. Nous avons sillonné les trottoirs d'Abidjan à la recherche de vos différents avis sur la question. Alors, quel est votre avis sur l'épargne? Des éléments de réponse en images. Bon, épargner pour moi, c'est garder de l'argent et puis investir. Parce que quand tu épargnes, c'est pour toi-même ton poste de sécurité. Tu ne sais pas le malheur qui vient, le bonheur va quitter. Tu peux prendre aussi pour réaliser quelque chose. C'est pour cela qu'on épargne. Tu travailles, tu n'épargnes pas, ce n'est pas bon. Parce que des fois, tu travailles. Ah, le pays est dur, hein. Tu travailles là, tu sais pas, il y a des gens qui travaillent, ils ne savent pas pourquoi ils travaillent. Ils s'appellent épargner. Donc, tu ne sais pas où le bonheur qui vient, le malheur va quitter. Tu ne veux pas travailler pour devenir mouton. Il faut travailler pour payer mouton. C'est ça qu'on dit d'épargner. L'épargne, c'est très bon. En tout cas, moi, j'épargne pour réaliser quelque chose. Nous, nous sommes des jeunes. On ne connaît pas ce qu'on appelle épargne. Ce que l'on sait là, c'est le PA. Voilà. C'est contrôlé par les deux petits papillons, les aquas, les requins. On est dedans. Tout ce qu'on fait, c'est dépenser sans compter. Voilà, PA et épargne, ça c'est pour les vieux. Là, wow. Nous, on est là pour dépenser. Tant que c'est là, on dépense. Tant que tu penses comme forcément, oui. Bon, épargne pour moi, ça veut dire que non, la sécurité quoi. Argent, épargne, ça veut dire. Bon, ça veut dire. Épargne, c'est comme si une garantie. Épargne veut dire garantie. Épargne veut dire garantie. Sinon, là, ne suffit pas, mais de faire un effort pour garder quelque chose un peu à côté. C'est ça, tu l'épargnes. Fais un effort pour garder quelque chose. Même à 1 000 francs, 1 500, on peut épargner. Hein. Comme à 1 million, on peut ne pas épargner. Il n'y a pas de montant. À 300 francs, il peut épargner 100 francs, garder 200. Donc, il n'y a pas de montant pour l'épargne. L'épargne, c'est garder ton argent quelque part. Bon, si au cas que tu as des problèmes, tu vas aller voir encore pour reprendre pour subvenir à tes besoins. On ne sait jamais, tu peux avoir un malheur qui va te surprendre. Tu peux avoir aussi bonheur aussi qui peut te surprendre aussi. Quand tu vois tes revenus, quand tu vois tes dépenses, quand tu vois ce que tu fais, tu peux garder un peu, même si tu veux garder moins de 5 000 francs par semaine, même par jour, ça dépend de toi. Ça dépend de ce que tu fais. Quand on parle d'épargne, on parle en grenier. On parle en grenier. Vous savez, nos parents, à l'époque, quand tu arrives au village, il y a la maison qui est là, il y a un grenier. C'est-à-dire qu'il faut prévoir pour demain. Tu peux avoir une bonne récolte cette année, mais l'année prochaine, tu peux ne pas avoir de bonne récolte. Donc, il faut avoir un grenier. Un grenier, c'est pour être à l'abri, te mettre à l'abri des aléas de la vie. Voilà. Donc, c'est ce que les parents ont imaginé ça avec le grenier qu'ils ont créé. Aujourd'hui, dans le monde moderne, c'est l'épargne. L'épargne, c'est quoi? Ça te permet de prévenir des aléas de la vie. Aujourd'hui, tu peux avoir les choses faciles, mais dans 10 ans, les choses peuvent changer. Voilà ce que c'est l'épargne. Même si le revenu est petit, mais le fait d'épargner régulièrement, un jour tu vas atteindre son objectif. Je pense que je veux dire, la première dépense, c'est dans l'épargne. C'est-à-dire que quand tu reçois ton argent, tu te dis, bon, ma première dépense, tu dois épargner pour demain. Quand tu as ça en tête, que ta première dépense, ce n'est pas ton loyer, hein, ta première dépense, c'est dans l'épargne. C'est ce qui va te sauver demain, quand tu as des problèmes. C'est ça que ta première. Au niveau de l'épargne, on ne peut parler que des avantages. Que ce soit un franc que tu mets de côté, au jour d'un certain moment, ça diminue, ça se multiplie, ça ne diminue pas. L'épargne ne diminue pas. L'épargne, ils vont te trouver peut-être un radin. Ça, pour certains, pour. Mais pour celui qui fait l'épargne, il est tout en souriant parce que chaque jour que Dieu fait, son argent augmente. Voilà. Épargner, c'est. Quand tu épargnes, ça te met plus en assurance, en fait. C'est que tu es plus rassuré et ça dépend aussi à quelle banque tu épargnes. Parce que là aussi, ça te permet d'avoir aussi souvent des prêts. Et pour pouvoir encore réaliser encore tes projets. C'est pour être déjà entrepreneur. Une fois que tu commences à épargner, c'est pour dire que tu commences à prendre la conscience. Donc c'est comme ça. Bon, ce qui nous motive à épargner au lieu de dire, il faut reconnaître
que les temps sont durs. Donc, il faut pouvoir épargner pour survivre. Parce que si demain tu ne fais plus rien, tu te retrouves à la maison. Si tu n'as, bon, si tu n'as pas eu cette occasion d'épargner, mais tu n'auras rien pour survivre. Avec l'épargne, on peut créer d'autres activités. Par exemple, l'argent que tu mets de côté, si, en tout cas, vraiment, si c'est beaucoup, tu peux créer toi-même une propre activité qui va te revenir. Il est très bon d'épargner parce que de nos jours, comme je l'ai si bien dit, les temps sont durs. Et puis, si nous avons des enfants, on épargne pour que demain, si les enfants deviennent majeurs, tu peux les pousser avec cet argent. Genre, si ton enfant a 20 ans, tu peux lui dire, bon, voici un peu d'argent, il faut te prendre un studio. Et puis voilà, tu peux le pousser, lui donner l'argent, bon, si tu peux aller au travail, bon, voilà. La stratégie pour pouvoir épargner, c'est que moi-même d'abord, je me prive de certaines choses. Telle que la boisson, la cigarette, et cet argent que je devais peut-être prendre pour boire et peut-être fumer, je préfère mettre ça de côté. La plupart d'entre vous sont favorables au fait d'épargner. On peut le comprendre parce que finalement, l'épargne, ça permet de constituer une sécurité financière qui pourra ensuite être utilisée en cas d'urgence ou de souci. Il est bon de pouvoir investir pour pouvoir réaliser ses projets et l'épargne est un des éléments clés qui peut vous permettre de commencer un investissement. Il y a d'autres personnes qui ne sont pas très concernées par l'épargne et préfèrent, comme on appelle communément en Côte d'Ivoire, le PIA. Alors, c'est surtout la jeunesse, effectivement. Mais il est important aussi qu'elles prennent conscience que les parents ne sont pas toujours éternels et avoir la valeur de l'argent, eh bien, ça n'a pas de prix. Et j'ai envie de conclure en vous disant que l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. La question reste ouverte, de toute façon. On attend vos avis dans les commentaires. Et si vous avez des questions, vous pouvez également les laisser en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de l'investisseur africain et activer la cloche de notification pour ne rater aucune nouvelle vidéo. À très bientôt !